TPMP, Julien Courbet révèle l'énorme cachet des candidats de la nouvelle émission de Moundir. Moundir va bientôt dévoiler une toute nouvelle émission d'aventure sur W9. Le casting vient de tomber et Julien Courbet a décidé de dévoiler le cachet proposé à ses stars. Les émissions d'aventure sont à la mode. Après celle de Mike Horn, c'est au tour de Moundir de vouloir mettre les stars à l'épreuve dans Perdu au milieu de nulle part, sur W9. C'est Géraldine Maillet qui a dévoilé le scoop sur le plateau de Touche pas à mon poste. Face aux nombreuses émissions du même genre, Cyril Hanouna n'était pas convaincu par la réalisation de ce nouveau programme. Maxime Guény voulait prouver que l'animateur avait tort et il a fait plusieurs recherches. Ce jeudi 1er février, les chroniqueurs avaient quelques informations inédites et ont dévoilé le casting du premier numéro de l'émission de Moundir. Selon les informations de Maxime Guény, Valérie Beg et Philippe Candeloro seraient les premières stars à participer à Perdu au milieu de nulle part sur W9. Cette information a particulièrement étonné la bande de Cyril Hanouna, et tous pensent que le casting n'est pas assez fort pour un premier numéro. Julien Courbet a dévoilé, lui aussi, quelques informations sur les coulisses de l'émission et a avoué avoir été contacté pour participer au programme. Ça se tourne en 3 jours et 4 nuits. On m'a proposé de le faire, a-t-il expliqué. Pour Cyril Hanouna, le chroniqueur aurait été un bon parti pour attirer le public à découvrir ce programme. Loin de s'être arrêté là, Julien Courbet a dévoilé le cachet qui lui a été proposé, entre 15 et 20 000 euros. Une somme que l'on suppose comparable à celle des potentielles autres stars.